le dimanche matin, 1er Charban, 1301 de l'Égypte, à Yoff, dans la presqu'île du Cap-Vert, à la pointe de la côte occidentale de l'Afrique, le saint maître Sidina Liman Moukari, lancé à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Adibou dan yallah ya mashar al ins wal jinn inni rasulullah ilaykum. Venez à l'appel de Dieu, vous hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu. La commémoration de cet appel retentissant sera donc célébrée le 1er Shaaban 1442 qui coïncidera avec le samedi 5 mars 2022. Sayyidina Imamullahi alayhi salatu wa salam proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui à l'époque étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. Après sa disparition, son fils Sayyidina Issa Ruhullahi, qui avait 33 ans comme prédit par les livres sur la venue de Ansar de Mariam, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue à l'évidence le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel du Mahdi, Sayyidina Imamullahi, alayhi salatu wassalam. Ce message a été brillamment porté par les différents califes qui se sont succédés à la tête de la communauté jusqu'au regretté Sayyidina Abdullah qui vient de nous quitter. Qu'Allah soit satisfait de lui et le rétribue conformément à l'impact colossal qu'il a eu dans la consolidation et la vulgarisation de la mission du Mahdi alayhi salatu wassalam. À cet égard, cette 42e édition est ésotériquement révélateur, car le chiffre 142 correspond exactement au poids mystique ou adat de Abdullah. Cette 142e édition constitue par ailleurs la première sous le khilafa de son éminence Sayyidina Mohamed Mokhtar ibn Sayyidina Mandiou. Qu'Allah l'assiste par l'Esprit Saint et lui accorde une victoire éclatante. C'est ici l'occasion de lancer un appel à toute la communauté Ahlullah, au nom du président du groupement central des Laïens, Elhaj Omar Ndoye Diadio, à l'assister dans sa noble mission, chacun selon ses possibilités et son niveau d'intervention. En cela, cette année, les cérémonies religieuses du 142e anniversaire de cet appel sont prévues le vendredi 4 mars 2022 à Cameroun, devant le mausolée de Sayyidina Issa Ruhullah dans la matinée et à la grotte des Almadi à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le samedi 5 mars, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layen durant toute la journée, avec la cérémonie du Yor Yor le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication et de communion contribueront sans nul doute à ressourcer les fidèles, aussi bien sur le plan religieux que celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la stabilité sociale et du développement. Sur le thème central, l'année dernière, nous avions voulu exploiter toute la quintessence des enseignements de Sayyidina Imamullahi sur la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. Cette année, les échanges ouverts devront contribuer à nourrir un débat fécond autour des orientations et enseignements du Mahdi alayhi salam pour une réponse décisive à la montée en puissance de l'extrémisme et donc de l'intolérance sous toutes ses formes par l'éducation. Le thème central retenu pour la célébration de la 142e anniversaire de l'appel de Sayyidina Imamullahi est donc le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. La pertinence de ce thème, ainsi que son actualité, sont d'une évidence triviale.
il suffit d'analyser le contexte politique mondial pour constater l'existence de conflits et de vives tensions avec en toile de fond un extrémisme exacerbé. Ce fléau, s'il n'est jugulé, mène irrémédiablement à des situations chaotiques. Les exemples actuels sont hélas trop nombreux. Le conflit syrien avec l'État islamique Daesh qui s'éternise, ainsi que la présence inquiétante de groupes armés extrémistes comme Boko Haram et Acmi dans le Sahel tout proche, sont à cet égard illustratifs. Dès lors, la communauté Ahlulahi a jugé nécessaire de partager avec l'ensemble des musulmans la nation sénégalaise et même au-delà sur l'importance d'une bonne éducation comme bouclier contre la progression du fléau extrémiste à la lumière des enseignements du guide des guides, le Mahdi attendu par la communauté musulmane pour la restauration des valeurs islamiques authentiques. Sayyidina l'imamoullahi alayhi salatu wa salam. Ceci en conformité avec l'orthodoxie coranique et la tradition prophétique. Car selon les paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam lui-même, le Mahdi suivra mes traces et n'en dévira jamais. Au demeurant, une des solutions dégagées par Sayyidina l'imamoullahi alayhi salatu wa salam sur la problématique de l'éducation comme réponse à l'extrémisme constitue sans nul doute l'initiation de ses adeptes au tawhid dès leur bas âge. Son message s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux adultes, comme le dit lui-même dans un de ses sermons. Famin imamillahi ila jamin talamidihi wal mu'minun kabiran wa sahiran ila akhir. Cette précocité initiatique, méconnue avant son apparition, est pourtant d'une parfaite orthodoxie coranique. En effet, le verset 13 de la sourate 31, Luqman est probant. Luqman, éduquant son fils, lui dit « Ya Bunaya, la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. » Oh mon fils, ne doute pas de chier à Allah, car la situation est vraiment une injustice énorme. Il demeure constant qu'un enfant éduqué et initié au tawhid est moins vulnérable à l'extrémisme violent, car l'un des enseignements du tasawuf est le djihad du nafs, qui est le combat contre soi-même, qui conduit à une introspection spirituelle profonde pour se connaître soi-même et par conséquent connaître son Seigneur Allah le Tout-Puissant. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur, avait dit le prophète alayhi salam. Et le chanteur émérite de la communauté Ahlullah, l'éminent poète Libas Niang de confirmer. Tam man nga say guné mi xam yonu yalla bay mag yene tuno bayyi l'islam yaanu won yon wi tam pes nañu tour sa diwan yaay borom diiné. Tu as éduqué tes adeptes enfants dans la connaissance de la voie de Dieu jusqu'à leur maturité. Nous ne laisserons plus jamais l'islam car tu nous as montré le chemin de sorte que nos noms soient inscrits dans l'enceinte scellée. En vérité, tu es le maître suprême de la religion. Sur l'état des préparatifs des cérémonies, les différentes commissions mises en place sont en activité depuis plusieurs mois. Elles ont identifié les différents secteurs, les besoins pour assurer un succès éclatant à l'organisation. D'ores et déjà, les travaux préparatoires ont bien été engagés, suivant la vision déclinée par le coordinateur du comité de pilotage et la voie tracée par le secrétariat exécutif. Le bureau du groupement central de l'AEL, qui coordonne les travaux, s'est alors organisé en vue de la réalisation des décisions qui ont été prises, notamment la consolidation de la réforme portant sur les finances qui doivent être maîtrisées, l'identification et le suivi des travaux à entreprendre dans les différentes localités qui doivent accueillir les pèlerins et les différents hôtes qui deviennent de plus en plus nombreux en relation avec les autorités locales et administratives à l'organisation et l'organisation de différentes rencontres. Un bon suivi des plans d'action des commissions, une belle, ont débuté hier jeudi 3 février par l'organisation d'un comité départemental de développement consacré à l'événement sous la houlette du préfet. Elles se poursuivront avec la tenue prochaine d'un comité régional de développement prévu incessamment sous la présidence du gouverneur de région. Elles se termineront enfin par une réunion nationale qui sera convoquée par le ministère de l'Intérieur au plus tard 10 jours avant les cérémonies. Ces différentes rencontres devront permettre d'identifier les besoins dans tous les domaines
et des assurances ont été faites pour leur satisfaction, en particulier pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications. Concernant les infrastructures, une visite de terrain est programmée par le préfet avec Agirou pour prendre en charge nos préoccupations liées notamment au blocage par les travaux liés à l'ouverture définitive de la VDN au niveau de Cameroun pour une facilitation de la circulation des usagers pendant les cérémonies et après pour le grand soulagement des populations, particulièrement celles de Cameroun et des automobilistes. Les travaux d'assainissement avec l'ONAS devront régler, notamment en plus des mesures habituelles, le problème du déversement des eaux usées provenant de l'avenue Sidna Issa Rouhlaï de façon ponctuelle pour l'appel et de façon définitive après la mise en place d'un comité de suivi. En attendant, nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services de l'État impliqués. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 142e édition de la commémoration de l'appel de Sayyidina l'Imamullah al-Mahdi. Alayhi salatu wassalam, amin. Je vous remercie de votre aimable attention. Wa salatu wassalam ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina al-Mahdi, alayhi salatu wassalam. L'innovation qui nous parle. L'innovation à nos sorolores. L'épreuve de nous m'assurer les filles. Et que nous avons un petit paquet. Qui est très bon. Parce que Baril, le Niki, le Moua, le Moum, le Gum, le Niki, le Gum, mais vous devez être mouet, mon gosse. Et vous pouvez. Qui finit, oui, c'est le mouvement mortel. Qui est mort et a été quelqu'un de l'époque, monsieur le maire. Comme le baisse de bouffe. Les finais, coutinés, les deux responsabilités, les gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui créent les gens, ils ne sont pas les gens qui créent les gens. Les gens qui créent les gens, ils ne sont pas les gens qui créent les gens. Ils ne sont pas les gens qui créent les gens. Ils ne sont pas les gens qui créent les gens. Ils ne sont pas les gens qui créent les gens. Ils ne sont pas les gens qui 28 ans, nous avons été délégués, accélérateurs à l'IRN. Si vous l'avez, vous m'avez dit, mais vous l'avez dit. Quand vous avez dit, vous faites diamant au soupe de coup. Vous avez dit, 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 vous avez من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ومن ربك بظلام العالمين غاني يوب داموي جيل لي سي موسى جوخ كديو باسكو موما نيه كوخ لي نارا نيه مي ني بو نيهول يالا فوفو غاي يوب كون كيرغي لي موف نيه نانو جيما ديلو سي ديسيبلين يوي كي مو نالي ابلاي غن نالي مو نو جور فامو ديم فلا جيم واخنا تي يوف عبد الله لك باي بن سيدنا عيسى jogé Abdoulaye ina démé yobul manto dar yalla rek digéem la ko yalla fay kon na jëm fofu té tégu rek fiñu tégu fiñu ku ci né sa sens de lol lay wax ku né la nga yor démal nga yor té nga namu gëna namu gëna jékki ak namu ku ci né lu manki ci ki way yalla ko ndax keneen mortali blessu namu fofu ñun ñi ñu yar ba exibe fi légui la bu ñu délo ginnaw man kuy wax ak man kanam mais lo wéx wéx lu diw moy ni diw moy ni diw moy ni yow ko yow yaay tan lool rek ni do ko lebo dina ko def nañu jël diine ji dal ku ci ne responsabilité bañ la dekk té man nga def kër nañu gëna ni ko Babacar waxé sank effectivement aduna mëno wé nekk rek gëm ni liñ fi doon def rek lañ fi def lokay wax fu mo
appel 1883 ngay wax appel 1980 wa kon 1880 kon li fi nekkon baxul won man fi gëwon dal 80 lay doon yam nang way da jëndi 1883 la baye lay boti appel na milan 1981 kon digënté bobu li fi mag ñu demal ben baxu ci kon 81 lay doon yam mais c'est rien ngeen wax lu farata mooy ngeen appel muy farata di diir ci xam nga muy farata la baye lay wax ci adina ben ci 4ème saison bobu c'est nabi mamou billahi wa tallahi ko amul yalla borom dara ci baye ak lolo man ak lolo man ñu nak keuf ñu ba ñu baye li dañu li diine la du chef yi c'est important diine la de ñu moy fu diine di glis rek dem fofu tant et complaisance lolu ñun bu melni man bu gën do xam bu mutti am ba ci dess diine xam du patam tiku du ñuy bañ appel fi taxaw lank fati nañu Seyna Issa li ñu doon def moom def na te fati ni Seyna Issa loolu muy def démb yonent bi waxoon na ko pourtant mais da doon yuuxu ñii di xeex di gën seen dënn di leen Seyna Issa kon li gën a bon ci àdduna mooy jàngu gumb yàlla kenn du ko topp noo topp jaamu ci patam jikku lànk leen loolu ëpp si garab ci luy ñëw ci yow na leer nañ fii lu leer la ci Seyna Ali Mamadou Mbaye itam digle yooyu la fi bàyyi ni ko wutoon tim loolu la fi bàyyi li si des nag ab génération ñoo fi ne ku yaakaar ci ku mel ni ñun ñii ñu naan la ñoo malaaka yi ñoo fanaanoon bitti ngeen di ndaw war a produire war a nangam ñu leen di gëm nga parce que bu yàggee dañ leen di nelawloo fu fu ñu leen waree wan yàlla wan leen fa suñu bopp yàlla bu ñu daal waajibun ala kulli cheikhin lu bàyyi lay wax an yakuna harisan ala taatillahi wa rasulihi di dem di mëm des parce que ka annahu askata nafsihi nafsahu fi suqtila abdallahu abdallahu wa adaahu dan moytu loolu waxtu wu ñu waree jox yàlla li mu moom toog fa du ñu am yàlla ti daañu leen loolu ñaan yàlla loolu rek mu ay ndaw moo ëpp tey ci réew mi ëppat suñuy kuréel suñuy ndaw ku leen di bëgg dimbali di nga leen wan yàlla ba noppi nag ñuy ndaw ñu war a mën a taxaw ak seen i ñaari tànk produire xam lan mooy sensu citoyenneté waxtu woon toogee saw ndaw naan leen jeex na àdduna tukki na yow na sa bos tukki xale yi làkk leen la jóg leen taxaw loolu moo fi nekk na ngeen xam te na ngeen wuti na ngeen am l'islam ñàkk du fi principe abadan wax naa ko sànq waje daka aaylan mu ne fa afina dem leen ci aay ba yonente fu mu mase yeewu fajar bokk na ci ay ñaaram kaane yestaisu di muslu yàlla ci ci ñàkk presque ñuy bëgg a pérénise ñàkk pourquoi parce que théorie yi dugal ci bopp xale yi bu yàggee xale yëpp da def si seen laa fay damm nga defee ni yow tant que dóoroo taada nangam fekk gaa yi roo nañ la bu yàgg ngay wax rek loolu lañu bëggoon bu sunuy ndaw kon ci discours bee Seyd naa dafa def ne Seyd naa mos ngay def nekk métier laa maa ngay def soo fa jógee fi ngaa ko yëti salaam fan tashiru fil ardi wa abtahu min fadlillah loolu dëgg kon lii laay am di ko wax parce que am na loolu ñaaratuñu yàlla muy taxaw ko kooku def ñu gàttaloo ko ak koo mën a doon ay mbokk fi ne tey jii lañu gën a ànd ci lañu ànd dara amu kooku laay wax di ko gëmal sama mbokk yu baax yi di mbokki taskat yi xabaar yi xam ngeen nit ñi waxtu wu jot fu ñu tolloo fii wallahi wallahi kenn mënu ci ñii kon luy génn fii ci ñun bu leen ci am laam-laame bu ngeen demee ak si seen i nàngam kër Seyna Ali Mamou coow amu fa de ku am sa coow yaa ko am sa ku ne la nga man xam nga ka xam nga fa nga jëm ak looy def lii rek laay am ngeen xam ngeen yóbbaale ko leneen nekku fi leneen naw bi kay xalifa ba mu nga fële nun ñi moo mbedd bi nag ñu ci mbedd bi waawunu kenn ni kaay gëm kuy gëm demal gëm yàlla de kuy téye téye ci yàlla loolu rek laa xam allahuma salli ala sayyidina muhammad.